Bonjour tout le monde, me revoilà aujourd'hui, c'est Romilou. Je voulais vous présenter un tarot que j'adore et un livre que j'adore aussi. Voilà, donc on va démarrer par un tarot que vous connaissez certainement, que moi j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, le Modern Love Tarot des Tony. Alors dites-moi si vous l'avez celui-là, il est tellement beau. Alors, j'ai pas énormément de jeux tarot, oracle, etc. sur l'amour. Alors, j'en ai bien sûr, mais pas énormément. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai un peu tardé à l'acheter. Et je sais pas. Bon. Et puis finalement, à force de voir des reviews, etc., j'ai craqué. J'en suis mais tellement contente. Alors voilà, un vrai bouquin. Un vrai bouquin, tout comme j'aime. Donc avec des illustrations en pleine page, en anglais mais simple. Voilà, avec des petites choses qui sont faciles à traduire. Excusez-moi. Voilà, donc c'est un gros bouquin qui est vraiment très très bien fait. Et qui donne envie surtout, qui donne envie de traduire et de regarder. Magnifique. Et donc, ce jeu de cartes, ce jeu de tarot, regardez comme c'est beau. Donc, contour doré, mais alors là, pour le coup, moi qui ne suis pas une fan du contour doré, là, il est de tellement bonne qualité. Voilà. Un dos extraordinaire. Et voilà, des scènes de vie, mais... tellement chouette, c'est très moderne. Alors, je vais essayer d'enlever tout ça pour que ce soit plus chouette pour vous. Ah bah tiens, voilà. Alors, faut pas me dire qu'il n'est pas à l'endroit. Alors. Voilà. Alors, effectivement, il porte bien son nom hein, quand on parle du Modern Love Tarot. Je trouve qu'il a un côté très moderne. Regardez comme c'est beau. En fait, j'avais vraiment... je redoutais que ce soit... comment dire, un peu gnangnan en fait. Et pas du tout. C'est pas du tout un jeu gnangnan. Il est tellement bien illustré. Voilà, un côté très moderne, hein, très de nos jours. Il y a un savant mélange, en fait, de plein de choses. Regardez la mort, comme c'est magnifique, avec tous ces papillons. Il est extraordinaire. Et j'adore la tempérance, cette scène de vie. Ça me fait vraiment penser quand je fais de la cuisine avec mon petit-fils. C'est exactement ça. Alors, le diable avec cette tentatrice, là, hein. La tour. Oh là là, regardez comme c'est beau. Si c'est pas une belle scène de complicité, la lune. Il est incroyable ce jeu. Il y a longtemps, enfin, il y a un moment hein, qu'il est sorti. Comme quoi, vous voyez, il y a des moments où il y a certains jeux, on se dit, oh ben non, c'est pas pour moi. Et en fait, j'avais pas pris le temps de. Regardez ce 4 de coupe, comme c'est chouette et comme c'est aujourd'hui. J'avais pas pris le temps de me poser sur chaque illustration. Et en fait, cet été, oui, c'est cet été, regardez, c'est merveilleux. Cet été, j'ai pris le temps de regarder une vidéo en prenant mon temps, quoi. Sans aller vite, parce que je suis tellement de monde que... Enfin, tellement de monde, c'est pas vrai. Je suis abonnée à beaucoup de monde, mais je ne prends pas justement le temps de regarder tout le temps. Il y a 5-6 chaînes, je pense que c'est pour vous, c'est pareil. Hein. Il y a 5-6 chaînes, j'espère que j'en fais partie. Qu'on prend le temps de regarder du début à la fin, d'écouter, etc. Mais moi, il y a 5 ou 6 personnes que je suis comme ça, de manière assidue. Et c'est en prenant le temps donc d'écouter ces personnes, en prenant le temps de regarder bien les images, qu'en fait, je découvre des choses merveilleuses.
Donc, il y a d'autres personnes hein, que je suis aussi, mais je ne prends pas le temps de... Je fais autre chose en même temps, je regarde globalement, mais voilà, pour me tenir informée, etc. Mais voilà. Les 5-6 chaînes que je suis m'apportent énormément, en fait, parce que c'est grâce à ces chaînes-là que je découvre des merveilles. Donc, celui-là, je l'ai vu passer des dizaines de fois et c'est imposant. Que j'ai eu un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez, mais... je l'adore. Alors celui-là, je vais vraiment m'en servir, en revanche, comme un vrai tarot, comme il se doit. Hein. Donc, voilà, parce qu'il me parle tellement que je pense que je vais pouvoir faire des super tirages. Trop, trop chouette. J'adore. Excusez-moi, je suis tellement, tellement dedans et tellement emballée par mes jeux que je répète sans arrêt que j'adore. Voilà, alors maintenant, on va passer à quelque chose de différent. Donc, qui est un livre qui m'a été conseillé par une abonnée. Donc, merci à elle. Elle va se reconnaître. Parce qu'en fait, c'est trop chouette. C'est l'art de vivre avec l'énergie des saisons, un manuel pratique de mon équilibre tout au long de l'année. Alors, je vous présente ça. Voilà donc le sommaire. Pour chaque saison, donc, se découvrir en hiver, l'énergie de la saison, la feuille de route, la symbolique de la saison et les exercices de la saison, dialogue avec soi pour profiter de l'hiver et mieux se connaître. Pourquoi est-il important de se connaître? Plein de questions, c'est trop bien. Pareil sur le printemps, l'été et l'automne. Donc justement, là, pourquoi faire le point? La symbolique de la saison, les exercices de l'automne et laisser infuser à la fin de chaque saison l'énergie des intersaisons. C'est trop génial. Alors, attendez, on va aller directement... Alors, c'est noté là-haut, hein. Vous voyez, printemps, été, automne. Alors, on y va. L'énergie de la saison. Eh oui, l'énergie décline en octobre. Attention aux poumons, dans le petit conseil de santé. Le mot d'ordre de la saison est de profiter de l'automne pour faire le point étrier. La feuille de route, donc pour l'automne. Les questions doutes que l'on a pu se poser, le bilan que l'on peut faire, les questions de septembre, donc vous imaginez comme je suis heureuse. Voilà. Octobre, on trie, on garde le positif, encore des questions, la symbolique de la saison, faire le bilan et décider. Plein d'exercices pour l'automne, dialoguer avec soi et se détacher en automne. Pourquoi faire le point? Et encore plein de petites choses, plein de petites astuces, des exercices, s'enraciner, transformer chaque intention en action, souffler pour lâcher, dialogue avec moi pour faire de la place, pour faire le bilan de mon année, vider ma poubelle intérieure, les questions à se poser, dialogue avec moi pour trier dans mon entourage. Mais c'est trop, trop top. Merci à toi, tu te reconnaîtras. C'est un vrai cadeau que, voilà, que tu m'as conseillé. C'est un livre en plus qui ne coûte pas cher, 16,90 €. Donc, je l'ai trouvé sur Amazon. Et c'est comme ça pour chaque saison. C'est génial. Je vous le conseille vivement. Et encore merci infiniment à toi de me l'avoir conseillé. Voilà, j'espère que vous êtes contente. Dites-moi si ça vous plaît. Je vous embrasse très, très fort. Merci pour tout. Vraiment pour tout. À bientôt.